Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On retrouve l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois pour débuter la semaine ce lundi 19 février avec le prix de Bracieux qui sera support de Quintet. C'est la première course de cette réunion principale, une course prévue bien entendu à 13h55 avec des chevaux de 6, 7 et 8 ans. N'ayant pas gagné 153 000 euros, on a 16 concurrents au départ. Une course européenne, hein, ça reste à préciser, il y a pas mal d'étrangers d'ailleurs au départ. 16 concurrents, le parcours de tenue, hein, 2850 mètres de la grande piste. Voilà pour les détails techniques de cette compétition, dans laquelle il y a quelques candidatures qui se détachent, mais c'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît. Beaucoup d'étrangers, comme je l'ai dit, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, il y a les trois quarts du peloton qui est composé de candidatures étrangères, même si la majorité a déjà couru en France et on les connaît un petit peu. Ça reste quand même une course qui présente pas mal d'incertitudes. En tout cas, moi, mon favori n'en présente aucune a priori. C'est Isofou Duchesne, le numéro 7, qui découvre vraiment un bel engagement face à ses aînés. Il est tout simplement invaincu cette année, hein. Il a gagné lors de sa première sortie en 2024 sur 2175 mètres. Il vient de gagner sur ce parcours, je crois, 2850 mètres. Et c'est vrai qu'il s'imposait vraiment de belle manière face à un pensionnaire livre, là, Interim Boy. Je voulais juste chercher son nom. Il a été contré en début de parcours par ce Interim Boy. Et puis bon, il a accepté son sort, il a quand même attendu. Et puis pour finir, il a vraiment bien accéléré pour prendre la mesure de son rival, qui à mon avis ne va pas en rester là non plus. En tout cas, c'est un cheval qui possède d'indéniables moyens, qui est maniable, qui est capable de tout faire dans le parcours. C'est vrai qu'à un moment donné, il fallait vraiment prendre ses précautions avec lui. Faut le faire encore, je pense, au départ, mais un peu moins maintenant, il est un peu plus maniable. Déféré des quatre pieds, en pleine possession de ses moyens. Bon voilà, il y a des étrangers, mais il vient de les affronter. Pas tous, parce qu'il y a les aînés cette fois. Ça change un petit peu la donne d'avoir les 7 et 8 ans, mais en tout cas, c'est un cheval qui, à mon avis, va encore franchir plusieurs paliers durant l'année en cours. Et pour moi, c'est certainement l'un des prétendants à la victoire dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu le 6 Instandofor, hein, que je reprends en confiance. Instandofor, c'est un cheval qui possède une grande action, c'est un cheval de tenue, qui possède un gros moteur surtout. Voilà, c'est ça que je cherchais, un gros moteur. C'est un cheval qui aime enrouler de loin, un petit peu comme tous les pensionnaires de Christian Bijon, hein, finalement. Hein. C'est vrai qu'ils ont toujours montré plus de tenue que de vitesse. Et c'est vrai qu'Instandofor ne déroge pas à cette règle. Dernièrement, il ne faut pas le condamner sur sa disqualification. C'est un cheval qui auparavant a très bien couru à plusieurs reprises, notamment sur ce parcours, notamment dans la finale régionale, hein, pour les 5 ans au mois de décembre. Pour moi, c'est un cheval qui est également en retard de gain. C'est un cheval qui découvre une tâche à sa portée. Alors, il va falloir qu'il se montre sage. C'est pas forcément facile avec 16 concurrents au même poteau. En tout cas, si Damien Beaune arrive à bien s'en servir et à le maintenir, à le canaliser, je pense vraiment qu'il est capable de donner une très bonne réplique au numéro 7 Isofou Duchesne. En tout cas, lui aussi fait partie des concurrents qu'il faut suivre en priorité. Ensuite, je me suis dirigé vers les étrangers, en premier lieu. Raven déjà vu. Alors certes, c'est un cheval de 8 ans, mais c'est un cheval de 8 ans qui a vraiment des références à faire valoir. Et puis, depuis son arrivée sur notre sol, il a montré des moyens. Hein. Quatrième lors de ses débuts à Vincennes. Derrière, il s'est montré fautif en Provence, mais il a bien remis les pendules à l'heure en dernier lieu. Hein. Je ne sais pas si on a une course référence d'ailleurs avec lui. Oh, voilà, regardez, le 4 février, il battait Galord AM, notamment dans le prix de la Creuse. Donc un cheval qui est en forme, qui est bien engagé. Alors certes, il y aura bien entendu ses cadets, mais je pense qu'il est capable de leur tenir la dragée haute, pas forcément de gagner, parce que j'ai vraiment l'impression que les 2-6 ans que j'ai cités sont pas au-dessus, mais parce qu'il y a, je pense pas qu'il y ait un cheval au-dessus, mais s'ils font leur course, ils vont être durs à battre. Mais en tout cas, Raven déjà vu, il est capable de finir sur le podium. David Thomas s'entend bien avec lui, il est déféré des antérieurs. Non, rien à ajouter, mis à part la présence de ses cadets, comme je l'ai dit, je pense qu'il a pas trop de points faibles et c'est un cheval qui devrait logiquement lutter pour une très belle place. Ensuite, j'ai retenu le 16, Jimmy Ferro BR. Alors, c'est vrai que ces deux tentatives en dernier lieu sur ce parcours, si on les prend à l'état brut, c'est pas extraordinaire. 7e et 6e, maintenant, les lots étaient très très bons. Hein. Dernièrement, il affrontait des chevaux comme Indigo de Fontaine, c'était une course A. Là, le lot est moins relevé. Il se défendait bien en plus. En 2850, c'est peut-être pas sa meilleure distance, mais le fait qu'il descende de catégorie, je me dis que ça peut suffire pour faire mieux que 6e. Et c'est vrai que défaire des 4 pieds avec un tel engagement, on est obligé de s'en méfier. En plus, c'est Alessandro Gocciadoro, on le connaît, c'est un homme habile. S'il se montre moins fougueux, on va dire, s'il arrive à se canaliser et pas trop en faire durant le parcours, je pense qu'il est capable de tenir 2008 et pourquoi pas même de lutter pour une place sur le podium.
Ensuite, en cinquième position, je repartis avec les Français, hein, le numéro 12, Indigo Pierre J. Regardez, c'est un modèle de régularité. Il a souvent fait merveille contre les chevaux de sa génération. Peut-être qu'on a des courses références avec ce cheval-là, Indigo Pierre J. Je ne suis pas sûr parce qu'il a souvent couru des lots qui étaient un petit peu différents de ceux qu'il court, mais ils étaient tout aussi bons. Et c'est vrai que c'est un cheval qui a besoin d'attendre dans le parcours. C'est le seul petit bémol, on va dire, avec lui, parce que quand on attend, on est tributaire du parcours. Il a parfois été malheureux, il a parfois bien fini, mais un peu tardivement en tout cas. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a rien à envier à ses rivaux. Le seul bémol, comme j'ai dit, c'est qu'il faudra que ça se passe bien, mais en tout cas, s'il a le déroulement de course qu'il faut, je pense qu'il est même capable de monter sur le podium. Je l'ai retenu seulement cinquième parce qu'il est tributaire du parcours, mais s'il a le bon, alors attention, il est vraiment capable de faire mal à plusieurs de ses rivaux. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 9 Sherry Top. C'est peut-être le meilleur en valeur pure, Sherry Top. Maintenant, c'est pas un modèle de régularité. C'est un cheval qui vient quand même de très bien courir dans une course de groupe 3 battue par Ibiki de Well. Ibiki de Well qui a réalisé un super meeting. Hein, Ibiki de Well qui a réalisé de sacrées performances durant les festivités hivernales en tout cas. Il a d'ailleurs réussi à le battre, Ibiki de Well. Faut le noter sur ce parcours en une douze effraction. C'était à la fin du meeting d'hiver dernier. C'est quasiment à la même époque. Je crois que c'était le 23 février 2023. Donc quasiment un an jour pour jour. Et c'est vrai qu'il faisait une sacrée performance. D'ailleurs, il était proposé à 94 contre 1. Il n'était pas attendu à pareille fête. En tout cas, c'est un cheval qui clairement est capable de bien faire face à de tels adversaires. Faudra que ça se passe bien. Lui aussi, c'est un attentiste. Mais en tout cas, faut vraiment s'en méfier et le retenir dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 10, JK Justus. C'est peut-être celui qui le court le plus dans sa catégorie, dans le sens où il vient de gagner une épreuve qui était dotée d'autant. 46 000 euros. Il vient de gagner une épreuve qui était dotée de 46 000 euros. Maintenant, il est dans sa catégorie, mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être les autres hein, qui sont un peu plus, qui descendent un peu plus de catégorie, sachant qu'ils ont couru dans des lots plus relevés. Mais lui vient de gagner sur ce parcours dans un super chrono, hein, 1-12-9. Et la manière était là également. Hein. Il gagnait vraiment dans un fauteuil. Je trouve qu'il a vraiment pulvérisé l'opposition, même si il n'y a pas une ligne droite entre lui et le deuxième. Mais en tout cas, je pense qu'il a la marche pour monter de catégorie et réaliser une bonne performance face à de tels adversaires. Maintenant, voilà, les adversaires, il faudra quand même les devancer. Ils sont coriaces. Je pense que pour la victoire, ça va être plus difficile. Mais s'il venait à terminer dans les 5 premiers, il n'y aurait pas crié au scandale. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5 chez Mar. Bah, écoutez, il reste sur une bonne 3ème place derrière Instant Fort. C'est une bonne ligne. Prix de Tournon le 31 décembre dernier. C'est un cheval qui a montré qu'il avait de la tenue. Andra Guzzinati qui a fait le déplacement également pour le driver. Parfois, ça lui arrive de laisser le cheval et de le laisser un pilote français. En tout cas, le fait qu'il soit de la partie, c'est un signe de méfiance et de confiance, défaire des antérieurs. Alors pour moi, c'est pas forcément une première chance, mais c'est l'une des possibilités pour les 4-5e places. Il y en a pas mal et lui en fait partie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3 Grappa Boy. C'est assez difficile de savoir où il en est exactement, mais il est déféré des 4 pieds. Je crois que c'est ses premiers pas à Vincennes. C'est un Hongrois de 6 ans qui a quand même 100 000 euros. C'est pas mal pour un Hongrois de 6 ans d'origine scandinave. Donc je me dis que ça peut peut-être le faire. On fait appel à Benjamin Rochard. Voilà, il y a plusieurs incertitudes qui entourent sa candidature. C'est pour ça que je le retiens un petit peu loin. C'est un regret. Mais en tout cas, je pense qu'il faut s'en méfier pour les amateurs de champ réduit. Clairement, mieux vaut le mettre avec soi que l'avoir contre soi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Isofou Duchesne, que j'ai retenu devant le 6, Instant au fort, pardon. En troisième position, le numéro 15, Reven, déjà vu. Devant le numéro 16, Jimmy Ferro, BR. En cinquième position, le numéro 12, Indigo Pierre J. Devant le 9, Sherry Top. Ensuite, en septième position, le 10, JK Justus. Et en huitième position, le numéro 5, Chemar, en cas de non partant. Le numéro 3, Grappa Boy. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le 7 Isofou Duchesne, c'est la bonne base. Tout comme le 6, c'est un stand-off fort. Faut vraiment le reprendre en confiance, à mon avis. Il devrait remettre les pendules à l'heure. Voilà, en troisième place, j'ai retenu le 15, Raven déjà vu. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour les 6 ans, mais je pense que ce concurrent de 8 ans a de l'expérience. Il a fait ses preuves sur la piste de Vincennes. Il s'entend bien avec David Thomas. Pour moi, c'est également une bonne base dans les 3-4 premiers. Donc 7, 6 et 15, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté de Nodorbrick, un top prono et turf sélection qui ont réalisé un bon week-end hein, jusqu'ici. Un vendredi, tiercé, quarté, quinté pour top prono. Pareil pour samedi, turf sélection également. Un trio, regardez, à plus de 2 600 euros de la part de turf sélection. Vous pouvez tester Nodorbrick. Hein. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Quand on voit les résultats, franchement, ça peut valoir le coup de les tester tout du moins pendant un mois.
En tout cas, voilà, moi je vous conseille de le faire. Tout comme je vous conseille de jeter un œil sur notre formation exclusive, c'est le deuxième lien dans le descriptif de cette vidéo. Plusieurs heures de vidéo avec pas mal de modules pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. Donc voilà, pour ce deuxième lien, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye.